Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tes rêves. Comment ne pas s'affaiblir pour réussir. Quand tu combats pour une chose dans la vie, ce n'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu penses que tu es trop petit pour faire de grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire de grandes choses et personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec est un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas au premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10, 15 échecs? Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi? Ils n'abandonnent pas parce qu'ils veulent voir leurs rêves devenir réalité. L'échec n'est pas une option. L'échec est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu dois être comme un lion, tu n'abandonnes pas. Relève-toi pour continuer de combattre. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves ou qu'on t'a dit que tu es trop ambitieux, que tu n'avais pas les épaules assez larges, que tu te rêvais trop grand? Est-ce que tu crois vraiment à tout ce que les gens disent? Laisse-moi te dire la vérité. Ils disent ça, c'est pour te détourner de tes rêves, c'est pour te faire rabaisser. Ils disent ça, c'est pour te démoraliser sur le chemin de tes rêves. Ne crois pas en personne. Alors debout, lève-toi maintenant. Je vais te dire une chose. Tu dois avoir des grands rêves parce que les rêves sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois rêver plus grand que jamais. Tes rêves doivent être très hauts comme les étoiles dans les cieux. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront, t'es un fou. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es obstiné. Pourquoi malgré tous tes échecs, tu reviens à te combattre de nouveau. Ils ne comprendront pas. Car toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu ne tombes pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne peux pas, tu gagnes pour tes rêves. Pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras pour eux. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Pense avec ça qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé sur un lit d'hôpital et qui prie pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité comme si c'était la dernière. Car cette opportunité ne sera peut-être pas là demain. C'est la seule occasion que tu as. Alors merci d'écouter à mes paroles de motivation. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube pour plus de paroles de motivation. C'était Evenson Champoun, l'homme positif. Merci.